Gloucester, Massachusetts. 30 octobre 2001, 21h. J'ai accepté une nouvelle mission. Et je sais, je t'avais promis de raccrocher. Et j'ai été contacté par un certain Johnson pour enquêter sur Shadow Island, sur Robin Morton et des tablettes Apkanis. Ça ne te rappelle rien? Tu comprendras que je n'ai pas pu refuser et que je n'ai pas pu t'attendre. Je pars demain. Je t'ai laissé quelques notes dans le tiroir du bureau. À très bientôt, Carnby. Ah, j'oubliais. Si tu veux contacter Johnson, son numéro est le 555-14-95. Boston Police Department. Nom, Fisk. Prénom, Charles. Date de naissance, 17 février 1944. Date de décès présumé, 24 octobre 2001. Quelque part aux États-Unis, 31 octobre 2001, 18h43. Alors, ils seront sur Shadow Island dans une heure environ. Carnby est incontrôlable, mais nous n'avions pas le choix. Et le professeur? Aline Cédrac est persuadée qu'Oben Morton est sans... Nous n'avons eu aucun mal à la convaincre. Il me faut ces tablettes et leurs traductions. Vous m'avez compris, Johnson? Oui, monsieur. Papa? Papa! Mademoiselle Cédrac? Aline? Réveillez-vous! Hein? Oui. Oui, oui. Excusez-moi. Tenez, vous en aurez sans doute besoin. Vous avez votre radio? Oui, oui, je l'ai. Aline, sur l'île, pour votre sécurité, vous feriez mieux de rester près de moi. Près de vous? Pourquoi y aurait-il un danger? J'ai été engagée pour authentifier une traduction de tablette Apkanis. Je vais travailler avec le professeur Morton. Mon meilleur ami est mort à cause de ces tablettes. Il a été tué sur Shadow Island. Et je vous jure que je retrouverai celui qui a fait ça. Je suis désolée. Écoutez, je connais le professeur Morton de réputation. C'est un scientifique, un très grand chercheur. Pour moi, c'est d'abord un suspect. Nous approchons Shadow Island. Mais qu'est-ce que c'est ? Yep tout le monde, c'est Calizarix TV. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Alone the Dark, les amis. Alors qu'est-ce que c'est comme jeu? C'est tout simplement un jeu d'horreur. Un jeu qui est sorti, attention, je tiens à le souligner, c'est un
Voilà, c'est vraiment un jeu qui date, clairement, j'en perds les mots, voilà. C'est vraiment un jeu qui date, il est sorti dans les années en 1999, juste avant les années 2000, sur Play 1. Voilà, et je me suis dit, allez, pourquoi pas vous en faire une vidéo, parce que ça aussi, c'est un jeu que j'ai joué en étant gamin, et c'est un jeu, je l'ai jamais fini en étant gamin, pour la simple bonne raison qu'il fait peur, tout simplement. Bon, maintenant, ça va me faire beaucoup moins peur, forcément, j'ai 24 ans, mais ça va me rappeler des souvenirs, les amis. Donc là, il nous demande de choisir le personnage. On va prendre le mec. Alone in the dark. Les souvenirs, c'est un truc de fou. Hein. Oh là là, les souvenirs. Oh là là, avec le menu et tout. Oh. Et ça, croyez-moi les potes, ça à l'époque c'était mais tellement un pur jeu quoi. Par contre je me souviens, mais alors là, sans vous mentir, je me souviens de plus rien du tout. Mais clairement. Alors, ok. Alors il y a forcément une touche pour courir. Ah, cinématique. Canby, répondez-moi, je vous en supplie. Aline, ça va? Comment ça pourra aller? Qu'est-ce que c'était que cette chose? Qu'est-ce qui se passe ici? Pour l'instant, je n'en ai aucune idée. Écoutez, je veux partir d'ici, tout de suite. Pas de panique, je vais trouver une solution. Où êtes-vous exactement? Sur les toits d'une sorte de manoir. J'ai failli me tuer, j'ai vraiment peur. Faites quelque chose. J'ai atterri dans un bois, à une centaine de mètres environ du manoir. Vous pouvez me voir? Vous voir? Mais comment? Aidez-moi, bon Dieu! Allumez votre torche! C'est bon. Je vous vois maintenant. Ok, je vous vois aussi. Voilà ce que nous allons faire. Essayez d'entrer dans le manoir et planquez-vous. Moi, je vous rejoins. Et dans combien de temps? Je ne sais pas. Je vais faire de mon mieux. Quoi? Aline, je vous rejoins. Promis. Faites vite. Oh là là, les souvenirs. Cette ambiance, les amis. Donc voilà, c'est un jeu qui est sorti sur Play 1 à l'époque en 1999, juste avant les années 2000. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas vous en faire une vidéo, parce que c'est vraiment un jeu, bah, c'est l'un de mes tout premiers jeux d'horreur que j'ai joué pour la toute première fois dans ma vie. Bah, c'était celui-ci, avec bien évidemment Resident Evil 2, voilà, comme en 98. Alors... Ah là là. Et vous savez que je me souviens encore de cet endroit ici, quoi. C'est juste dingue. Alors, on est sur PC avec un émulateur. Donc c'est ça qui nous permet de jouer au jeu de Play 1 sur PC. Et croyez-moi, le jeu, graphiquement, c'est beaucoup plus beau qu'à l'époque. Hein. Ah oui, parce qu'à l'époque, c'était pixelisé encore plus que là. Donc, ouais. Je suis assez content du rendu. Parce qu'on s'est vraiment... Je me suis vraiment embêté... pour rendre le jeu un maximum bien fait niveau des graphismes. Alors j'ai pris facilement 1h30-2h dans les paramètres de l'émulateur pour rendre le jeu le plus beau possible. Et là, croyez-moi, j'ai mis tous les paramètres à fond. Ah ouais, ça c'est le menu pause. Du sang. Je sais même pas comment on fait pour tirer tout ça. Thank you.
options. Réglage son, voix, musique, et c'est tout. Oh là là, les souvenirs. Ah, les souvenirs, c'est un truc de fou. Bon, j'ai peur de m'aventurer parce que je sais pas comment faire pour tirer. C'est quelle touche ? Ah ! Ok. Donc c'est la touche R. Ok, E c'est pour la carte. Ok. Aline ? Carnby ? Ne bougez pas, j'arrive. Aline ? Ah oui, d'accord. T, c'est pour parler avec elle. Ok. J'aimerais juste trouver la touche pour tirer. D'accord. Donc c'est R et W. Ok. Au moins s'il y a des monstres ou quoi, parce que je me souviens plus. Hein. Il fallait que je trouve la touche. Cinématique. Oh, les souvenirs. Non, non, ne bougez pas. Ne bougez surtout pas. Laissez-moi. Je vais mourir. Je vais mourir. Hein? Qui vous a fait ça ? Cette île, c'est l'enfer. Pas des hommes. Des bêtes immondes. Tirez-vous par tous les moyens. Comment êtes-vous arrivé ici ? Le bateau. Dernière cargaison. Ah, il a flingué tout le monde. Essayez de vous calmer. Vous avez une arme. Je vous laisse des balles. Je vais chercher de l'aide. De l'aide ? Mais vous allez mourir. Comme tout le monde. Fuyez. Je vais revenir. Au moins... Vous voyez aussi les jeux de l'époque, comment c'était fait. Et croyez-moi, à l'époque, des jeux comme celui-ci, c'était juste magnifique, graphiquement. Mais, personnellement, à moi, ça me pique pas aux yeux, quoi. Clairement, ça me pique. Moi, je trouve pas que ça me fait mal aux yeux, quoi. Donc, ok. Donc, c'est R. What? Ah, je vous l'ai dit, hein, c'est un jeu d'horreur. Cette porte est verrouillée. Il faut que je trouve la clé. Alors, il doit sûrement avoir une touche pour courir, c'est obligé ça.
Ouais, vu que je connais pas les touches, les amis, c'est pas... C'est pas simple. Je le sens pas, là. God. Oh. Mais il est plus là, le mec. Il s'est fait tuer, ou... Y'a pas la clé? Ah! Vous prenez une petite clé de bronze. Ah bah ça doit être ça, la fameuse clé. Bon, on va devoir trouver la touche pour courir, hein, parce que là... Alors est-ce qu'il faut pas appuyer deux fois par hasard? Non. D'accord, bon. Tant pis. Ah là, les souvenirs, les amis. Et croyez-moi, ce jeu-là, à l'époque, c'était une dinguerie. C'était vraiment une dinguerie. Et c'est ça, quoi. C'est tous les jeunes de à l'heure actuelle, qui ont 13 ans, 15 ans, ils ont loupé tous ces bons jeux comme celui-ci. Voilà, c'est... C'est un truc de fou, ce jeu-là, à l'époque. Cette porte est verrouillée, mais j'ai une clé. On examine, on sait jamais. Non. Ok. Ouais, c'est normal qu'il y ait eu un lag. J'essaye de trouver la touche pour courir, mais je la trouve pas. Ok, bon. Tant pis, les amis. J'ai trop peur que je quitte sans faire exprès le jeu et que... Et que la vidéo, ben du coup, je vais devoir couper. Ça m'embêterait. Donc on va faire ça comme ça, c'est pas grave. Au moins, on a le temps de... Voir si on loupe des choses ou pas. Après, voilà, je ferai pas un let's play sur ce jeu. Hein. C'est vraiment pour rappeler le bon vieux temps... Et voilà, ça c'est vraiment l'un de mes tout premiers jeux d'horreur à l'époque. Et croyez-moi, ce jeu-là, quand j'étais gosse, qu'est-ce qui m'a fait peur. Oh, oh là 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 là, qu'est-ce qui m'a fait peur ce jeu-là. Mon dieu. Par contre, on vient d'où là Et même là, hein, je suis pas serein. Il y a ce côté où t'es en... où je suis un peu en stress, quoi. Je suis un peu en stress. Ah, je crois pas qu'on est venu ici. Est-ce qu'on est venu ici? Ouais. Ok. On s'y perd déjà, alors qu'on est au début du jeu. Et c'est tellement un jeu qui dure à finir. Et je sais qu'à l'époque, j'étais allé assez loin au jeu. Mais clairement, je me souviens de plus rien. Je me souviens du début comme ici, mais sinon, je me souviens de plus rien. Et je sais qu'à l'époque, j'étais allé assez loin. Mais j'avais jamais fini le jeu, parce qu'il est tellement dur à finir. Tellement dur, tellement dur. T'en reviens sur nos pas ou... Non, ok. Ouh, il y a une tache de sang là, non? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mon parachute ne me servira plus. Ok. Ouais, moi j'avais joué à ce jeu là, j'avais 8 ans, 9 ans, un truc comme ça. Hein. Donc jouer à un jeu comme ça quand vous avez 8 ans ou 9 ans, ça fait flipper. Mais moi c'est ça que j'aimais, quoi. C'est... Je savais que j'avais peur au fond de moi, mais
J'aimais bien avoir peur. Ouais, je le sais, c'est un petit peu bizarre, mais ouais. Oh là là, les souvenirs. Alors, est-ce que c'est ici? Cette grille est verrouillée par un cadenas à code. Wouah. Vous n'avez pas le code. Wouah, le délire. What? C'est quoi ça? What? Oh, ils m'ont fait flipper. Oh, ils ont apparu comme ça, genre. Oh, je me souvenais pas de ça. Là, je vous l'ai dit, hein, les potes, c'est vraiment pur jeu horreur. Hein. C'est vraiment du... Oh là là. Je connais pas la touche pour courir, alors voilà. Donc on a trouvé une clé, donc il y a forcément un endroit où aller avec cette clé là. Ah là là, qu'est-ce que c'était un bon jeu. Aïe aïe aïe, les souvenirs, c'est... Et ça, franchement, les potes, c'était vraiment tellement un bon jeu. Je sais que je me répète, hein, mais qu'est-ce qu'il était génial, quoi. Ah, je me souviens, j'allais... C'est vrai, ça c'est un souvenir. Hein. C'est genre... Je me souviens quand j'étais gosse et j'étais en internat. Et même à l'internat, je prenais ma Play 1 avec ce jeu-là et je jouais en cachette à l'internat, au fait. Ah là là, c'est... Pff. Ah, ce jeu, c'est une grande histoire, en vrai de vrai. Alors, cette porte, elle est verrouillée, malheureusement. T'imagines, on est bloqué alors qu'on est... Début du jeu, quoi. On tourne en rond. Cette porte est verrouillée. Il me dit pas par quoi. C'est ça qui est étrange. Alors, inventaire. Objet. C'est quoi ça, là? Ah ouais. Amulette de sauvegarde. Trousse de soins. Takivolki. Ok. Carnet. Document. C'est quoi ça? Carte de... Ok. Carnet de... Ok. Ah ouais, il fallait sauvegarder comme ça, genre. Oh, je me souvenais pas de ça. Par contre, les autres, ils m'ont surpris, là. Ah ouais, de ouf. Bon, il y a un truc à faire ici, c'est obligé, là. Là, je veux bien, mais on tourne en rond là. Non, il y a vraiment rien à faire ici. Et c'est ça qui était dur à l'époque aussi, c'est que les jeux comme là, il n'y a aucun indice, tu dois fouiller. C'est un truc de fou. C'est beaucoup de... Il faut réfléchir, vraiment quoi. Attends, on va revoir la clé là. On va revoir la clé. Petite clé de bronze. Bah, écoute, ça peut être que par là en fait. Hein. C'est ça que je comprends pas là. Là, il y a le chemin là. Voyons voir. Ok, donc il y a cette entrée ici. Cette entrée là. Cette entrée là. Ok. On va retourner au portail chelou là. Je suis pas serein. Hein. Ah, peut-être qu'il fallait re-appuyer sur le portail. Ouais, mais non. Ça
Ça, c'est le portail à code. Cette grille est verrouillée par un cadenas avec un code. Vous n'avez pas le code. On va appeler la fille pour voir. Aline ? Oui, Candy ? Aline, j'ai vu. Je crois qu'il faut vraiment que vous vous planquiez. Qu'est-ce qui se passe ? Je n'en sais rien, mais on se retrouve au manoir. Non, non, non. Terminé. Ok. On se retrouve au manoir. Il est bien beau, lui, mais... J'arrive pas à trouver la touche pour courir, c'est quand même dingue. Je n'arrive pas à la trouver, les amis. J'appuie sur toutes les touches, mais impossible. Ok. Le manoir. J'aurais bien voulu vous le montrer. Parce que le manoir, je me souviens vraiment très peu. Hein. Alors là, mais très peu. Donc ça, c'est son parachute, tout ça, tout ça. Ah, on a trouvé de la touche. Ah, nice, les potes. CTS, ok. Ah bah ça va tout de suite plus vite hein. Mais le manoir, on y va comment là? Ah mais il y avait une autre porte ici. Bon, c'est verrouillé. Ah non mais d'accord, en fait c'était la porte qui était en face. Viens voir. Ok. On va trouver, hein. On va trouver. Mais bon. En tournant en rond, c'est un truc de fou, hein. On tourne en rond au début du jeu, les amis. Donc ça, c'est le truc avec le code. Bon, ça, on l'a pas. Mais peut-être que... Non. Ok. Je sais pas. J'ai voulu tirer pour essayer quelque chose, mais... Oh là 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 là. C'est ouf. C'est où là? Oh, c'est incroyable. Bon, c'est un labyrinthe. Ok, bon ici c'est avec le code. Ok, bon ici on enregistre hein, parce que là ça va être compliqué sinon. Donc ici c'est ok. Avec le truc du code là, tout ça, tout ça. Ah bah attends, ça peut être que par ici là en fait là. Ça peut être que à l'intérieur, c'est pas possible. Thank you.
Ouais, je me souviens vraiment de plus rien, mais vraiment de plus rien, quoi. Après, voilà, c'est un jeu, quand j'étais gosse, je l'avais jamais fini, parce que tellement dur. Ouais. Donc là, c'est la porte qui est verrouillée. Attends, on doit avoir un truc sur nous, là. Je sais pas, un objet, un truc, c'est obligé, là. Ok. Ça, c'est les documents. D'accord. Ok, donc on va essayer quelque chose, les amis. On va aller au portail avec le code et on va l'appeler avec le talkie-walkie. Voir si elle me répond ou pas. Je vois que ça, hein, clairement. Ah, je vous l'ai dit, hein, c'est du jeu très compliqué. Beaucoup de suspense. Beaucoup, énormément. Alors, passer par là. Normalement, c'est vers ici. Normalement. Aline ? Ouais, il me répond pas. Bah, écoutez, les amis, on va se laisser là. On va se laisser là sur cette fin où. On n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé où il fallait aller exactement. Après voilà, je pourrais faire une vidéo plus longue, mais je veux pas que ça soit trop long pour vous. Et après voilà, c'est pas du tout un let's play. On va pas faire des vidéos, plein de vidéos sur ce jeu. Mais à part si vous le voulez, n'hésitez pas à me le dire. Après là, à partir de ce moment là, c'est avec grand plaisir. Honnêtement, c'est avec très grand plaisir. Mais non, c'était vraiment pour vous montrer un petit peu de... ce que c'était aussi les jeux d'avant et aussi c'était aussi pour voilà, parce que Alone the Dark, c'est, voilà, c'était l'un des tout premiers jeux que j'ai pu jouer d'horreur de ma vie, quoi. C'était, voilà, j'avais 8 ans, 9 ans, un truc comme ça, et c'était pour vous montrer en même temps les graphismes qu'il y avait à l'époque, les amis, parce qu'il y en a qui se plaignent des graphismes à l'heure actuelle, machin machin, mais vous vous rendez pas compte, les graphismes à l'heure actuelle, c'est juste dingue, en fait. Mais les gens, ils en veulent toujours plus, plus. Et nous, quand on avait ces jeux-là à l'époque, on était heureux. On disait, waouh, ouais, mais le jeu, il est trop bien fait, c'est fou. Moi, je me souviens, quand j'avais joué à ce jeu-là, Alone the Dark, sur Play 1 à l'époque, je me disais, ben, waouh, ouais, le jeu, il est trop beau. Et tout le monde disait ça. Tout le monde disait, waouh, ouais, le jeu, il est trop beau, c'est trop bien fait. Voilà. Alors que maintenant tu dis ça à quelqu'un sur ce jeu là, il va en rire, tu vois. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'était ça le but de cette vidéo. C'était pour vous montrer mon premier jeu d'horreur que j'ai pu jouer dans ma vie. C'était lui, mon tout premier jeu d'horreur. C'était vraiment ce jeu là. Et Resident Evil 2 et le 3 avec le Nemesis. Voilà, c'était vraiment ces trois jeux là. Mais en vrai de vrai, hein, entre Resident Evil et Alone the Dark... ouais, celui qui m'a fait le plus peur, franchement, Alone the Dark, largement. Largement, les potes. Resident Evil, je me souviens, le 2, quand on rentrait dans le commissariat et tout, à l'époque, ça m'a fait peur. Et même au début du jeu et tout, ça me faisait peur quand j'étais gamin. Mais Alone the Dark, c'est une autre ambiance, c'est un autre univers, c'est un autre monde. Moi, je sais qu'Alone the Dark, j'avais beaucoup de mal à jouer quand j'étais gamin, mais
J'avais quand même joué, tu vois, j'avais quand même ce petit courage qui me dit allez, c'est bon, ça reste un jeu. Voilà quoi, mais ouais. Mais voilà, là regarde, j'ai 24 ans, j'en fais une petite vidéo et j'en suis content. Et regarde, à peine au début du jeu et on est déjà bloqué. T'imagines un peu? C'est ça le truc, c'est qu'à l'époque, les jeux c'était dur à finir. C'est pas comme à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, tu achètes un jeu à 70 balles, 70 euros, tu le finis en 4-5 heures, tu le mets au placard. Tu vois que maintenant c'est ça le problème, que à l'époque tu as acheté les jeux pour une misère et il te fallait des semaines et peut-être même des mois et des mois avant de le finir, tellement que les jeux étaient durs, tellement que c'était dur. Maintenant il y a plus ce côté là et l'histoire de ce jeu de Alone in the Dark, tout le mode histoire est juste dingue, c'est juste dingue, c'est juste incroyable. Donc en tout cas j'espère quand même que ça vous a plu, parce que c'est bien le but bien évidemment. En tout cas, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas, les potes, à bombarder les likes, à vous abonner. Voilà, l'abonnement, ça fait toujours plaisir quand je vois un nouveau abonné, ça fait toujours plaisir. Activez aussi la petite cloche, voilà, c'est un petit clic. Et partagez la chaîne un maximum, je compte vraiment sur vous. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, sur d'autres jeux. C'était Kalisorix TV, prenez très soin de vous aussi, c'est très important. C'était Kalisorix TV. Allez, bye bye, bye bye, bye.